Zone Interdite va proposer, le dimanche 6 mars prochain, un documentaire sur la maladie d'Alzheimer, une maladie neurodégénérative caractérisée par une perte progressive de la mémoire et de certaines fonctions intellectuelles. Lors de l'émission d'Ophélie Meunier, Alain Souchon interviendra, avec son fils Pierre. Les deux chanteurs connaissent parfaitement cette atteinte neurodégénérative puisqu'elle a emporté leur mère et grand-mère. Le chanteur d'Allô Maman Bobo et son fils se sont confiés lors d'une interview accordée à Télé 7 jours. Alain Souchon a révélé que sa mère ne le reconnaissait plus, elle m'appelait même Jacques Chirac, se souvient-il. Et d'ajouter, chaque fois qu'on allait lui rendre visite, on repartait avec le cafard. Le complice de Laurent Voulzy a même résumé la situation en lançant, si esti comme la morte avant la mort. La maladie d'Alzheimer peut être héréditaire, ce qui n'est pas sans inquiéter la famille Souchon. Avec l'âge, on cherche bien plus les noms. Ça fait forcément cogiter, reconnaît Pierre Souchon. Quant à son père, il rappelle que si le remède contre cette maladie n'a toujours pas été trouvé, un dépistage précoce peut freiner son évolution. Alain Souchon, les malades d'Alzheimer perdent leur dignité en même temps que la mémoire, ce n'est pas la première fois qu'Alain Souchon évoque la maladie de sa maman. En 2016, il en avait parlé sur le plateau du Grand 8. Le chanteur avait déjà avoué que lui rendre visite était pénible pour lui. Ce n'était pas très rigolo. Je sentais qu'elle sentait que c'était quelqu'un de proche, un peu proche, mais, elle ne savait pas qui j'étais, s'était-il souvenu. Dans une interview à Notre Temps, il avait également estimé que les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer perdaient leur dignité en même temps que la mémoire. Loading widget.